Les pays musulmans dénoncent les actions provocatrices d'Israël à l'égard des Palestiniens. Réunis à Istanbul, les ministres des Affaires étrangères de l'OCI ont tenu à exprimer leur indignation après les mesures de sécurité prises par l'État hébreu autour de l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ces mesures, qui ont depuis été levées, avaient entraîné de violents affrontements. La fermeture de la mosquée Al-Aqsa aux fidèles et toutes les mesures de sécurité qui ont été prises par la suite constituent une atteinte au sentiment des musulmans du monde entier. Cette décision inédite ne peut que compliquer la situation dans les territoires palestiniens occupés. Autre déclaration, celle du chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu. Nous espérons qu'à partir de maintenant, Israël va adopter une attitude qui prend pleinement en considération les sensibilités des musulmans à Jérusalem et autour de la mosquée Al-Aqsa. Face à la pression internationale, l'État hébreu s'est finalement résolu à lever les mesures de sécurité mises en place après le meurtre de deux policiers israéliens dans la vieille ville de Jérusalem. Israël avait fermé provisoirement l'accès à l'esplanade des mosquées, puis installé des détecteurs de métaux et des caméras de sécurité dans ce lieu hautement sensible, considéré comme le troisième lieu saint de l'islam.